C'était une nuit tiède et paisible, en route vers la pleine lune du 8e mois. L'auberge était silencieuse. Tout le monde était couché et dormait. Des grenouilles coassaient au bord du fleuve et dans les rizières. Et j'entendis, à une ou deux reprises, le ululement d'un hibou. Alors que je rentrais doucement dans la véranda, j'entendis la voix de Shirotori. Je crus un instant qu'il était retourné dans la chambre et me parlait, mais une voix de femme lui répondit. C'était Dame Maruyama. Je savais que je n'aurais pas dû écouter. Et je chuchotais de sorte que personne d'autre que moi n'aurait pu surprendre leur conversation. Je rentrais dans la chambre, refermai la porte et m'étendis sur la natte, décidé à m'endormir. Mais je ne pouvais refuser à mes oreilles la satisfaction de leur irrépressible besoin de son. Et chaque mot leur parvenait distinctement. Ils parlaient de leur amour l'un pour l'autre, de leurs rares rencontres, de leurs projets d'avenir. Leurs propos étaient souvent si concis et circonspects que je ne parvins pas à les comprendre sur le moment. J'appris que Dame Maruyama se rendait à la capitale pour voir sa fille et qu'elle craignait qu'Iida n'insiste de nouveau pour l'épouser. La femme du Seigneur était souffrante et l'on s'attendait à sa disparition prochaine. Elle ne lui avait donné qu'un fils, lui aussi d'un tempérament maladif, qui était une source de déception pour son père. « Vous n'épouserez personne d'autre que moi » murmura Shirotori. Et elle répliqua. « C'est là mon seul désir, vous le savez. » Puis il lui jura qu'il n'aurait jamais d'épouse ni de maîtresse si ce n'était elle. Et il évoqua une sorte de plan de guerre qu'il avait élaboré, mais sans s'expliquer davantage. J'entendis mon nom, et je compris que je devais avoir un rôle à jouer dans ce plan. Je me rendis compte qu'il existait une inimitié de longue date entre lui et Iida, remontant à l'époque de la bataille de Yaregar. « Nous mourrons le même jour, » dit-il. « Je ne pourrais vivre dans un monde où vous n'existeriez pas. » Puis leurs chuchotements firent place à d'autres sons. La rumeur de l'amour entre un homme et une femme. Je me bouchais les oreilles. Je savais ce qu'était le désir. J'avais satisfait le mien avec d'autres garçons de mon village ou des filles du bordel, mais j'ignorais tout de l'amour. Quoi que j'entendisse, je me jurais de ne jamais en parler. Je garderais sur ces secrets le même silence inviolable qui protégeait ceux des invisibles. Je ne revis pas la dame. Nous partîmes tôt le lendemain, 1 heure ou 2 après le lever du soleil. Il faisait déjà chaud. Des moines aspergeaient d'eau les cloîtres du temple et l'air sentait la poussière. Avant notre départ, les servantes de l'auberge nous avaient apporté du thé, du riz et de la soupe. Une d'elles étouffa un bâillement en posant les plats devant moi et s'excusa en riant. C'était la fille qui m'avait caressé le bras en passant près de moi la veille. Et quand nous nous en allâmes, elle sortit et me cria « Bonne chance, jeune seigneur! Bon voyage! Ne nous oubliez pas !» Ichiro était un maître reconnu, fameux pour la beauté de son écriture et la profondeur de ses connaissances. J'étais vraiment indigne d'avoir un tel professeur. Je n'avais pas l'intelligence d'un étudiant né, mais ensemble, nous découvrîmes que j'étais du moins doué pour imiter. J'étais capable de fournir une copie acceptable d'étudiants, de même que j'étais capable de copier la façon dont Ichiro dessinait, avec un mouvement de l'épaule et non du poignet, plein de hardiesse et de concentration. Je savais que je ne faisais que le singer, mais les résultats étaient passables. Ce fut la même chose quand Sir Shigeru m'enseigna le maniement du sabre, où je ne manquais pas de force et d'agilité. J'en avais même sans doute plus qu'on aurait pu l'attendre de ma stature. Mais je n'avais pas vécu l'enfance des fils de guerriers, dont les années se passent à pratiquer inlassablement l'escrime, le tir à l'arc et l'équitation. Je savais que je ne pourrais jamais les rattraper. J'appris, sans trop de peine, à monter. En observant Sir Shigeru et les autres hommes, je me rendis compte que c'était surtout une question d'équilibre. Je me contentais de les imiter, et le cheval réagit favorablement. Compris également que ma monture était encore plus timide et nerveuse que moi. Dans son propre intérêt, je devais me comporter comme un seigneur, dissimuler mes émotions et feindre une assurance sans faille. De cette façon, l'animal se détendait et se montrait satisfait. On me donna un cheval grippal, à la crinière et à la queue noire. Il s'appelait Raku, et nous nous entendions à merveille. Si je ne parvins pas à prendre goût au tir à l'arc, je mis de nouveau à profit mon don d'imitateur pour manier le sabre, en copiant Sir Shigeru et arriver ainsi à des résultats corrects. Je reçus un long sabre que je portais glissé dans la large ceinture de mon nouvel habit, comme n'importe quel guerrier. Mais malgré le sabre et l'habit, j'avais conscience de n'être qu'une contrefaçon. Les semaines passaient. Les domestiques finirent par accepter l'idée que Shirotori entendait m'adopter, et petit à petit, ils changèrent d'attitude à mon égard. Ils me gâtaient, me taquinaient et me grondaient tour à tour. Entre l'apprentissage intellectuel et l'entraînement physique, Mon temps libre était limité. Je n'étais pas censé sortir tout seul, mais j'avais gardé ma passion pour le vagabondage et profitais de la moindre occasion pour m'échapper et partir à la découverte de la ville de Hadji. J'aimais descendre les ruelles menant au port, où le château à l'ouest et l'ancien cratère volcanique à l'est semblaient tenir la baie dans leurs mains comme une coupe. Je contemplais la mer et songeais à toutes les contrées mythiques s'étendant au-delà de l'horizon. Un jour que j'avais ainsi vagabondé, je me hâtais de rentrer, car l'après-midi était déjà avancé. Ichiro avait été requis pour régler un compte avec un marchand, et après l'avoir attendu 10 minutes, estimant qu'il ne reviendrait plus, j'avais pris la clé des champs. Le 10e mois touchait à son terme. L'air était frais, imprégné de l'odeur de la paille de riz que les paysans brûlaient. La fumée se déployait sur les champs entre le fleuve et les montagnes, plongeant le paysage dans une lumière d'or et d'argent. Tout en songeant, je guettais comme toujours l'instant où je commençais à entendre dans la rue le chant reconnaissable entre tous de la maison. Il me sembla entendre un autre son, et dans ma surprise, je m'arrêtai pour jeter un coup d'œil à l'angle du mur, juste avant notre portail. Je crus d'abord qu'il n'y avait personne, puis, presque au même instant, j'aperçus un homme accroupi sur ses talons, à l'ombre du toit de tuiles. Je n'étais qu'à quelques pas de lui, de l'autre côté de la rue. Je savais qu'il m'avait vu. Il se leva presque aussitôt, lentement, comme s'il attendait que je l'aborde. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi insignifiant. Il ne se distinguait ni par sa taille, ni par sa carrure. Ses cheveux grisonnaient un peu, son visage était plus pâle que bronzé, et ses traits si quelconques qu'il faisait partie de ces gens qu'on n'est jamais sûr de reconnaître. Même en l'observant attentivement, en essayant de le percer un jour, j'eus l'impression que mon regard était incapable de fixer durablement son aspect. Et pourtant, derrière cette banalité presque excessive, je sentais quelque chose de singulier. Un je ne sais quoi prompt à se dérober avec adresse, dès que je tentais de mettre le doigt dessus. Il portait des vêtements dont la couleur bleu-gris était fanée et il semblait sans armes. Il n'avait l'air ni d'un ouvrier, ni d'un marchand, ni d'un guerrier. Je ne parvenais pas à le ranger dans aucune catégorie, mais un instinct profond en moi m'avertissait qu'il était très dangereux. Les bambous se teintaient de blanc et les érables avaient revêtu leurs robes de brocart. Junko apporta à Kaede de vieux vêtements de Dame Noguchi, dont elle défit avec soin les coutures pour les recoudre en tournant vers l'intérieur les parties fanées du tissu. Les jours étaient de plus en plus froids et Kaede remerciait le sort de n'avoir plus à parcourir en tous sens les cours et les escaliers du château pendant qu'il neigeait sur la neige gelée. Ses tâches étaient moins astreignantes désormais. Elle passait ses journées avec les femmes de la maison Noguchi, occupée à divers travaux d'aiguille, à écouter des histoires et composer des poèmes, à apprendre à tracer les caractères d'écriture des femmes. Mais elle était loin d'être heureuse. Dame Noguchi trouvait à redire à toute sa personne. Elle avait une aversion pour les gauchères et ne cessait de comparer à son désavantage son aspect avec celui de ses propres filles, en déplorant sa haute taille et sa maigreur. Elle se déclarait choquée par les carences de l'éducation de Kaede dans presque tous les domaines, sans qu'il lui vînt à l'idée qu'elle-même pouvait en être responsable. En privé, Junko célébrait la pâleur de Kaede, ses membres délicats et son épaisse chevelure. La jeune fille se regardait dans le miroir dès qu'elle en avait l'occasion, et songeait que peut-être elle était belle. Elle savait que les hommes la regardaient avec concupiscence, même ici, dans la résidence du Seigneur, mais tous lui faisaient peur. Depuis que le garde l'avait agressée, la proximité des hommes lui donnait la chair de poule. Elle avait l'idée du mariage en horreur. Dès qu'un invité se présentait, elle redoutait qu'il ne s'agisse de son futur époux. S'il lui fallait paraître devant lui pour apporter du thé ou du vin, son cœur battait à tout rompre. Et ses mains tremblaient si fort que Dame Noguchi décréta qu'elle était trop maladroite pour servir les hôtes et serait désormais confinée dans les appartements des femmes. elle devint la proie de l'ennui et de l'angoisse. Elle se querellait avec les filles de Dame Noguchi, invectivait les servantes pour des bagatelles et se montrait même irritable avec Junko. « Il faut marier cette fille !» déclara Dame Noguchi. Un soir, alors que le 3e mois touchait à son terme et que les arbres brillaient de l'éclat de leurs feuilles nouvelles, Junko chuchota à son oreille. « Un homme du clan des Otori sollicite votre main, maîtresse. » Elles étaient en train de broder, et Kaede, distraite de son rythme régulier, se piqua si fort avec son aiguille qu'elle se mit à saigner. Junko se hâta de retirer la soie avant qu'elle ne soit tachée. « Qui est-ce » demanda la jeune fille, en portant son doigt à sa bouche, où elle sentit le goût salé de son propre sang. « Je ne sais pas au juste, mais il a l'approbation de Rida lui-même. » Et les Tohan tiennent à sceller l'alliance avec les Otori. De cette façon, ils contrôleront l'ensemble du pays du milieu. « Quel âge a-t-il » interrogea Kaede d'un temps contraint. « On l'ignore encore, maîtresse. De toute façon, l'âge d'un mari est sans importance. » Kaede se remit à sa broderie. Des grues blanches et des tortues bleues, sur un fond rose foncé. Une robe de mariée. Je souhaite ne jamais terminer cette robe. Réjouissez-vous, Dame Kaede. Vous allez quitter cet endroit. Les Otori vivent à Hadji, au bord de la mer. C'est un parti honorable pour vous. Le mariage me fait peur. On a toujours peur de ce qu'on ignore. Mais les femmes finissent par y trouver du plaisir, vous verrez. Junko se mit à pouffer. Kaede se rappela les mains du garde. Sa force, son désir, et sentit monter en elle un dégoût irrépressible. Ses propres mains, habituellement rapides et adroites, ralentirent leur rythme. Junko la réprimanda, mais sans méchanceté, et la traita tout le reste de la journée avec une grande douceur. Quelques jours plus tard, Kaede fut convoquée par Noguchi. Elle avait entendu des chevaux arriver au galop et des étrangers pousser des cris, signe que des invités venaient. Mais elle s'était tenue à l'écart comme à son ordinaire. Elle tremblait quand elle pénétra dans la salle d'audience, mais eut la surprise et la joie d'y découvrir son père, assis à une place d'honneur, à côté de Noguchi. Elle s'inclina jusqu'à terre et vit le visage de son père s'illuminer. Elle était fière qu'il la trouve cette fois dans une position plus honorable et se jura de ne jamais être pour lui une cause de chagrin ou de déshonneur. Quand elle reçut la permission de s'asseoir, elle tenta de l'observer discrètement. Ses cheveux s'étaient clairsemés et grisonnaient. Des rides nouvelles sillonnaient son front. Elle brûlait d'envie d'avoir des nouvelles de sa mère et de ses sœurs. Elle espérait qu'on lui accorderait de passer un moment seul avec lui. Dame Shirakawa, commença Sir Noguchi. Nous avons reçu une offre de mariage pour vous, et votre père est venu donner son consentement. Kaede s'inclina de rechef en murmurant « Sir Noguchi ?» « C'est un grand honneur pour vous. Ce mariage scellera l'alliance entre les Tohan et les Otori et unira trois familles anciennes. Sir Iida en personne assistera à vos noces. Il a même tenu à ce qu'elles aient lieu à Inuyama. L'état de santé de votre mère laissant à désirer, Dame Maruyama, une parente de votre famille, vous conduira à Tsuwano. Votre futur époux est Otori Shigeru, un neveu des seigneurs Otori. Il vous retrouvera avec sa suite à Tsuwano. » Le Seigneur reprit. « Je savais que je ne pourrais jamais trouver de repos sous le ciel, tant que les meurtriers de mon frère seraient vivants. Je tenais leur maître pour responsable de leurs actes. Et entre-temps, la situation s'était modifiée. La brouille d'Araï avec Noguchi signifiait que les Seichu étaient de nouveau intéressés par une alliance avec les Otori contre Iida. Une seule conclusion s'imposait. Le moment était venu d'assassiner le tyran. En entendant ces mots, je sentis une sourde excitation commencer à bouillonner en moi. Je me rappelais cet instant dans mon village où j'avais décidé de ne pas mourir, mais de vivre, pour me venger. Et cette nuit à Hadji, à la lueur de la lune hivernale, où j'avais su que je possédais la capacité et la volonté nécessaires pour tuer Rida. Je me sentis profondément fier à l'idée que Sir Shigeru était venu me chercher dans ce dessein. Ma vie entière semblait converger vers cette mort. « Mes jours vous appartiennent, déclarai-je. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ce que je te demande est extrêmement dangereux, presque impossible. Si tu choisis de refuser, tu es libre de t'en aller demain avec Kenji. Toutes les dettes entre nous seront effacées. Ta réputation n'aura nullement à en souffrir. Ne m'insultez pas. J'avalais un petit déjeuner tardif quand Kenji vint me rappeler que j'étais censé prendre un cours d'escrime. C'était bien la dernière chose que j'avais envie de faire. Ben, « Quel autre projet as-tu pour ta journée ?» insista-t-il. « Tu veux rester assis à boire du thé ? Shizuka peut en apprendre long. Et puisque nous sommes coincés ici, autant en tirer le meilleur parti. » Je terminai donc ma collation et suivis docilement mon professeur à la salle de combat, en courant sous la pluie. On entendait de l'extérieur les bâtons s'entrechoquer bruyamment. Deux jeunes hommes étaient en train de combattre. Au bout d'un instant, je me rendis compte que le premier n'était pas un garçon, mais Shizuka. Elle était plus habile que son adversaire, mais celui-ci, plus grand et plus déterminé, lui résistait vaillamment. En nous apercevant, cependant, Shizuka le toucha avec aisance sous la garde. Ce ne fut qu'en voyant le vaincu ôter son masque que je réalisais qu'il s'agissait de Kaede. « Ils m'ont distraite !» s'écria-t-elle avec colère en essuyant son visage sur sa manche. « Rien ne doit vous distraire, maîtresse !» répliqua Shizuka. « C'est votre principal point faible, vous manquez de concentration. Rien ne doit exister que votre adversaire, les sabres et vous. » Elle se retourna pour nous saluer. « Bonjour mon oncle, bonjour mon cousin. » Nous répondîmes à son salut et nous inclinâmes avec un respect plus marqué devant Kaede. Puis il y eut un bref silence. Je me sentais mal à l'aise, car c'était la première fois que je voyais des femmes dans une salle de combat, en tenue d'entraînement. Leur présence me déconcertait. Il me semblait que cette situation devait avoir quelque chose d'inconvenant. Je n'aurais pas dû me trouver ici avec la future épouse de Sir Shigeru. « Nous reviendrons plus tard, » lançai-je. « Quand vous aurez fini. »« Non. Je veux que tu combattes avec Shizuka, » dit Kenji. « Dame Shirakawa ne peut certes pas rentrer seule à l'auberge, mais il sera instructif pour elle de vous observer. »« Elle aurait même besoin de s'entraîner avec un homme, » intervint Shizuka. « Dans un combat réel, elle n'aurait pas le choix de ses adversaires. » Je jetai un coup d'œil à Kaede. Ses yeux s'élargirent légèrement, mais elle garda le silence. Elle serait bien capable de battre Takeo, commenta Kenji d'une voix aigre. Je me dis que le vin devait lui avoir donné la migraine. À dire vrai, je ne me sentais pas moi-même particulièrement frais. Kaede s'assit en tailleur comme un homme. Elle dénoua le cordon qui retenait ses cheveux en arrière et ils se répandirent jusqu'au sol en ondoyant autour de son corps. Je m'efforçais de ne pas la regarder. Shizuka me tendit un bâton et se mit en posture. Nous combattîmes un moment, sans céder le moindre avantage à l'autre. Je n'avais encore jamais affronté une femme, et je retenais mes coups de peur de la blesser. Mais alors que je feintais, elle m'arracha soudain mon bâton des mains grâce à un coup tournoyant qui me prit totalement au dépourvu. Si mon adversaire avait été le fils de Masahiro, j'étais mort. « Mon cousin, » dit-elle avec reproche, « ne m'insultez pas, je vous prie. » Après quoi, je me battis avec plus d'énergie. Mais elle était habile et d'une force surprenante. Il fallut attendre la seconde reprise pour que je prenne peu à peu le dessus et je ne dus mon avantage qu'aux instructions qu'elle me prodiguait. Elle me concéda à la 4e reprise en déclarant « J'ai déjà combattu toute la matinée avec Dame Kaede. Vous êtes reposé, mon cousin, outre que vous n'avez que la moitié de mon âge. »« Un peu plus que la moitié, je pense, » dis-je en haletant. J'étais en nage, et Kenji me donna une serviette pour que je m'essuie. Shizuka ramassa le cordon et noua de nouveau la chevelure de Kaede. « À votre tour d'affronter, sire Takeo. »« Non !» lançai-je aussitôt. « Il faut que je vous laisse. Je dois m'occuper des chevaux et demander à Shirotori s'il n'a pas besoin de moi. » Kaede se leva. Je sentais qu'elle tremblait légèrement. Et j'avais le vertige en respirant le parfum qui émanait d'elle, où la sueur se mêlait à des effluves de fleurs. « Rien qu'une reprise, » assura Kenji. « Ça ne peut pas vous faire de mal. » Shizuka voulut attacher le masque de Kaede, mais celle-ci la repoussa d'un geste. « Si je dois affronter des hommes, autant combattre sans masque, » dit-elle. Je pris mon bâton à contre-cœur. Dehors, la pluie redoublait de violence. La salle était plongée dans une lumière verdâtre qui estompait les contours. Nous semblions perdus dans un monde à part, isolés de la réalité, ensorcelés. La reprise ressembla d'abord à un entraînement ordinaire. Chacun de nous essayant de déstabiliser l'autre. Mais j'avais sans cesse peur d'atteindre son visage, et elle ne me quittait pas des yeux. Nous étions tous deux hésitants, embarqués dans un jeu étrange dont nous ignorions toutes les règles. Puis, sans que je puisse dire à quel instant, le combat se transforma en une sorte de danse. Un pas, un coup, une parade, un pas. Le souffle de Kaede s'accéléra, faisant écho au mien, jusqu'au moment où nous respirâmes à l'unisson, où ses yeux se mirent à briller dans son visage illuminé, où nos coups se firent plus violents et le rythme de nos pas plus trépidant. Par moments, je dominais. Puis c'était son tour. Mais aucun de nous ne parvenait à prendre le dessus. En avions-nous seulement envie? Enfin, presque par erreur, je déjouai sa garde et préférais lâcher mon bâton plutôt que de risquer de toucher son visage. Aussitôt, Kaede abaissa son propre bâton et lança. « Je me rends. » « C'était bien, » commenta Shizuka. « Mais je pense que Takeo aurait pu y mettre un peu plus d'énergie. » Je restais debout, les yeux fixés sur Kaede, en ouvrant la bouche comme un idiot. Je me dis... si je ne la serre pas dans mes bras maintenant, j'en mourrai. Kenji me tendit une serviette et me donna une bonne tape en pleine poitrine. « Takeo » commença-t-il. « Quoi » dis-je l'air hébété. « Essaie de ne pas tout compliquer. »